Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, épisode 121 de BBS. J'ai des mauvaises nouvelles. Voilà, il y a au Japon apparemment les lois sur les droits d'auteur sont en train de se durcir. Il y a quelques mois, pour moi c'est assez récent, la nouvelle est tombée. Il y a un youtubeur japonais qui a été condamné à 2 ans de prison et 1 million de yens d'amende, donc ça représente à peu près 6 000 euros d'amende pour avoir diffusé un let's play d'un visual novel. Voilà, donc les lois au Japon sont en train de se durcir. J'ai quelques vidéos de BBS qui ont encore sauté. J'en ai marre. Et je vous annonce que voilà, cette série-là, bon, il y aura des épisodes de temps en temps. Et voilà. Autre chose aussi, du coup, vu que ça a forcé, ben, j'avais uploadé les vidéos de la guerre sanglante de Milan. Et elles ont toutes été flag. Elles ont toutes été interdites à visionner dans le monde entier par Sony Entertainment Japon. Donc vous ne les verrez pas. Malheureusement, je suis désolé, ils étaient censés être là, après, même à la place de cet épisode-là. Et puis, ben voilà, vous les aurez pas, malheureusement. C'est... Bon, de toute façon, vous perdez pas grand-chose, en vrai. Vous perdez juste un combat à la con entre Kenpachi et Onohana, que je trouve débile. Voilà, j'en parle très rapidement, mais ce combat Kenpachi et Onohana est juste débile. Parce que, voilà, une guerre éclate et ils trouvent rien de mieux, c'est de mettre un des deux capitaines à mort. Donc voilà. Je trouve ça absurde de devoir se passer d'un capitaine alors que d'autres méthodes auraient pu être employées. Voilà, c'est tout ça juste pour avoir un combat un peu dantesque, mais qui d'un point de vue... De toute façon, c'est les Japonais. Hein. Les Japonais ont... La tactique et la stratégie, c'est un délire. Je vous rappelle que... Enfin, voilà. J'en veux un peu au Japon en ce moment. Je suis désolé. Alors que je kiffe la culture japonaise. Hein, voilà. Ah oui, puis le YouTuber en question aussi qui s'est fait striker, c'est aussi parce qu'il a fait des mash-ups de Spy X Family. Spy X Family, en plus, que je regarde. Enfin, j'ai vu la saison 1 en VF. Parce que voilà, la saison 2 est en VO au moment où je tourne, et puis la VF est pas encore sortie, mais je la regarderai quand elle sera sortie. Je kiffe la culture japonaise, mais leurs droits sur le droit d'auteur me frustre clairement, parce que c'est beaucoup plus dur que dans les autres pays. Ils déconnent zéro, les mecs, il y a même de la prison pour ça. Franchement, c'est abusé. C'est abusé. Et puis du coup, ben, j'ai envie de leur dire aussi. S'ils sont pas pour que leur culture s'expande, bah qu'ils aillent se faire mettre, quoi. Enfin, voilà, je trouve ça débile. De toute façon, les droits d'auteur en général, je trouve ça un peu débile. Tu fais un truc pour la culture, bah, il doit bénéficier à tout le monde. Et des gens s'en servent pour recréer derrière, pas s'approprier, mais recréer des choses derrière... Ben, ça fait vivre ton univers et ça devrait te rendre heureux. Enfin, je sais pas, c'est... Enfin, voilà, quoi. Après, voilà, c'est parce qu'il y a des requins à Sony, voilà. Enfin, Sony Entertainment, là, je... Ouf. Oh, j'en ai plein le cul de... Je vous jure. Enfin, bon, voilà. Bon, désolé, donc c'est sur ce... Ces 3 minutes, ces 4 minutes, là, de plainte, je suis désolé, qu'on commence cet épisode, je suis désolé. Untold Story 6, peut-être le dernier... je sais pas si on fera des tirages à la fin, on verra. Mais en tout cas, voilà, on est sur la fin. Et donc, je vous annonce qu'une série, là, va prendre la suite pour le samedi. Il y a toujours plus de World of Warcraft, hein, parce que, voilà, j'attends toujours la sortie de Dragonflight. Alors, peut-être que Dragonflight va sortir entre deux sur Firestorm. Donc, peut-être que, finalement, après cet épisode-là, ce sera du WoW qui repartira. Mais je prévois une autre série, plutôt, en attendant. Et puis, on verra bien. Quand Dragonflight sortira, on repartira sur le World of Warcraft. Mais BBS va progressivement disparaître de ma chaîne. Je vais en tourner de moins en moins. De toute façon, je ne tourne plus que les histoires secondaires. Il n'y a plus de d'arc qui sortent. Puis voilà, quoi, ça a progressivement tombé dans l'oubli. De toute façon, les vidéos sont toutes en train de se faire défoncer par
Sony Entertainment System qui bloque dans le monde entier, parce que pourquoi pas. Il pourrait bloquer qu'au Japon, hein. Mais il bloque dans le monde entier parce que allez vous faire mettre, quoi. Enfin voilà quoi. Allez, on est parti. Je vais prendre quand même le bonus d'XP. Et puis même, je pense que je vais abandonner le jeu progressivement. Je vais plus me connecter tous les jours. Ça fait 6 ans, 7 ans que je joue à BBS. Et c'est bon quoi, il est temps de passer à autre chose. Il y a d'autres jeux super en plus. Hein, mais bon. Bon allez, on se met dans l'histoire. Au cours de cet affrontement, celui auquel j'ai fait face était un double de Kaname, Tosen, et c'est indéniable. Ah oui, c'est ça, c'était l'histoire des clones qui apparaissaient, on n'avait pas bien compris. Cela signifie donc qu'il leur est possible non seulement de reproduire des officiers vivants, mais aussi de créer des doubles à partir des âmes des morts. La perspective que d'autres Shinigami décédés soient ramenés à la vie et que les troubles s'intensifient encore est inacceptable. Redoublé d'efforts, le problème doit être contenu et réglé dans les plus brefs délais. À vos ordres. Vous n'avez pas encore fait face à votre double, capitaine Kuchiki. Non. Restez sur vos gardes. Évidemment. Ah, vous étiez là, capitaine? Qu'y a-t-il? Tetsuzaimon m'a parlé du double du capitaine Tosen. Je vois. Du coup, je... Haruka. Renji, oh, tu es là aussi, grand frère. Dans quelle précipitation, que s'est-il passé? Quelqu'un répondant au signalement de Gin Ichimaru vient d'être aperçu. Il se dirige vers le Sokyoku. Quoi? Allons-y sur le champ.私が出ます。紅姫。覚悟。その程度。覚悟。すっごいな。その程度。紅姫。その程度。 D'accord. Là-bas, c'est Gin Ichimaru et Aizen. Tiens, tiens, dégénère. Quoi, nous sommes découverts? Que faites-vous ici? Oh là là, pas la peine de nous fusiller du regard comme ça. Il déclasse quand même son chara-design. Moi, je me promenais, c'est tout. J'ai aperçu ce faux capitaine Aizen et je l'ai interpellé pour savoir ce qu'il faisait. J'ai plutôt l'impression qu'on se jetait sur moi, sabre clair.
cet air, cette tenue, je n'ai pas l'habitude de vous voir comme ça. Je me suis dit que si vous aviez de mauvaises intentions, c'était un problème, et donc... C'est vrai qu'il est classe comme ça, il gêne aussi. Si je décidais d'agir dans ce sens, alors... Dites, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, on met un terme à tout ça. Oh, mais c'est qui a disparu? Est-ce réellement Ginichimaru? Alors ça, c'est à toi d'en décider, tu sais. Par contre, tu es toujours aussi malpoli, ma petite Rukia, et les titres alors? Enfin, il est vrai que je ne suis plus capitaine, disons que ça passe, mais tout de même. Oh, pas de bonus, c'est bon, on va arrêter avec les bonus. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, il est temps de me retirer. Mais pas si vite. Enfin, je voudrais me retirer, mais pour aller où et puis comment? Nous savons que tu n'es pas le vrai Ginichimaru, mais nous ne pouvons pas te laisser partir. Ah oui, je vois, mais je n'ai aucune raison de me battre contre vous. Et puis, j'ai été méchant avec Rukia. Alors, si vous devez me tuer, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est comme ça, c'est tout. Qui va là? Ah oui, si c'est toi qui me tues, là encore, c'est comme ça, je suppose. Grand frère, c'est... Alors tu es mon double. Si tel est le cas, que feras-tu? C'est simple, la réponse est simple. Tout ce qui trouble le repos de la Soul Society doit être abattu. C'est les mots de Byakuya. Tous ceux qui troublent l'ordre de la Soul Society doivent être abattus. C'est ça, je crois. La phrase qu'il dit à Ichigo dans le tout au début de la série. Quasiment. Le capitaine Soifon m'a confié ceci. C'est un corps de transfert. C'est ce que je voulais vous remettre tout à l'heure. D'après elle, en l'utilisant, vous pouvez vous battre sous une forme analogue à la leur. Pourquoi devons-nous nous affronter? Cet homme n'est qu'un corps étranger qui n'a rien à faire dans ce monde. Quel problème y a-t-il à l'éliminer? Les criminels doivent être jugés, les ennemis éliminés, c'est la règle de la Soul Society, elle doit être respectée. Oui, c'est vrai, et justement, tu es toi-même un intrus qui doit être éliminé. Grand frère. Nous n'avons pas le temps de bâiller aux corneilles, dépêchons-nous de... Qu'est-ce que... C'est de la brune empoisonnée, oula! Et ça, on connaît ce Zanpakuto. C'est le Zanpakuto de capitaine de la 12e division Maori Kurochuchi. Gijizo, c'est ça Gijizo, c'est ça le nom du Zanpakuto.
Ok. Et ouais, c'est ça. Tiens, tiens, j'ai déjà trouvé des proies. Bon sang, le capitaine Kurotsuchi maintenant. Restez concentré, entendu. Je ferai d'un coup trois cobayes, tous frétillants. Quelle chance. J'ai tant d'expérience à faire. Oui, nous allons en profiter tout doucement. T'es stylé quand même. Bon sang. Vous avez l'air en difficulté, dites-moi. Capitaine Kurotsuchi. Il a bon goût, cet homme. Il dit des choses intéressantes. Quand je le vois comme ça, oui, je veux bien croire que je suis la source de sa façon d'agir et de penser. Capitaine Kurotsuchi, j'ai ceci qui m'a été confié par le capitaine Typhon en cas de... Tu plaisantes, j'espère. J'ai déjà tout analysé, merci bien. Oh, cette forme. Et cet accessoire peut, voilà, ce que j'en fais. C'est tout juste bon à donner à manger à Hachizo Gujizo. Tu as su reproduire cet effet rien qu'en l'ayant aperçu, c'est intéressant. Reproduire, c'est une plaisanterie. C'est d'un niveau tout autre que le tien, mon pauvre ami. Tu m'imites, mais par un simple processus de calcul et d'extrapolation, il est impossible que tu dépasses mes compétences techniques comme mes facultés mentales. Ah, dommage, on n'aura pas vu trop son design. Mais bon, il avait l'air cool. Il devrait quand même leur donner plus de PV au boss. Pas plus de puissance, mais plus de PV. Pour qu'on ait le temps de les voir, quoi. Parce que je vous avouerai qu'on les défonce assez vite, quoi. Je vous jure. Et voilà, un rêve qui prend fin, un rêve qui ne servait à rien. On dirait que vous avez réglé votre problème vous aussi. Nous aussi, comment ça? À la demande de Kisuke, je suis allé récupérer tous les accessoires utilisés par cette satanée Urozakuro afin de les détruire définitivement pour que personne n'en fasse plus jamais usage. Bien entendu, les corps spirituels de transfert que je vous ai remis entre dans cette catégorie. Je suis donc venu les reprendre. Le dernier, c'est celui que tu lui qui ne devait servir qu'au cas où. C'est-à-dire que le capitaine Kurotsuchi l'a donné à manger à Hachizo Gijizo. Ah, je vois, bon, il n'en reste donc rien. Disons que ça ira. Allons, rentrons. D'accord, donc l'accessoire en question, c'était le corps céleste de transfert. Attendez, je vais couper ma clim parce que finalement il commence à faire un peu froid dans ma chambre. Je coupe un instant pour écouter l'audio de ma compagne.
Bon, je terminerai son audio après. Plus tard. Vous avez su faire face à la situation et je vous en félicite tous. Cependant, cette affaire doit rester secrète, pas un mot à quiconque et interdiction de la consigner dans les archives. Pourquoi? Oh non, mes outils ont tous été cassés, que c'est bête. Ils ont tous horreur de l'inutile, c'est ça, on s'en débarrasse. Ça aussi et ça aussi, mais c'est tout aussi vain comme d'habitude. À moins que ce soit l'inverse. Oui, c'est l'inverse, c'est parce qu'ils n'ont pas rejeté inutilement les émotions dont ils se sont débarrassés qu'ils ont pu gagner ainsi. C'est peut-être ça. La force des capitaines actuels, même si c'est incompréhensible pour ce cher Ken, se pencher sur la question, ça pour lui, ça serait inutile. Kihi, tout ce que Ken juge inutile, c'est ce que j'adore. Mais c'est aussi bien tout ce dont il se débarrasse, moi je le ramasse et je le garde. C'est ainsi que le rideau retomba sur une autre de ces histoires apparemment faites de pages blanches en silence. D'accord, donc en fait, oui, c'est le Zenpakuto de Ken, là, du Kenpachi en question, là. Du premier Kenpachi, je crois. Voilà, qui. Enfin, non, c'est le second Kenpachi, je crois, un truc comme ça. Voilà, qui a foutu le sbul, quoi. Ok, d'accord. Bon. Et donc, on a un Gin 4 étoiles. Ok. Bon, bah on a encore un peu de temps. Je vais regarder rapidement si j'ai des trucs. J'ai quelques loteries. Mais écoutez, on va commencer par les loteries de Con. On va commencer par Con. Tout ça, moi qui m'intéresse, hein, c'est les potions. Le reste, honnêtement, c'est bon, quoi. On a largement. Je vais prendre le reste. Toc, 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 cadeau. Bon voilà, c'est cool, on récupère plein de trucs. Je récupère surtout masse potion, c'est ça qui m'intéresse le plus. Je vide carrément le stock de points. Et on verra au prochain épisode combien j'arrive à en avoir. Hop, allez. Super. Et je disais au niveau des loteries du coup personnage. Si il y a cette loterie là du coup qui a 150 orbes, une brave section. Bon bah c'est raté. Pas de 5 étoiles là-dedans. Celle-là, elle est pas chère non plus. La spéciale 80 millions de téléchargements. Ok, c'est mort.
Les suivants. Taput aussi. Super. Est-ce qu'il y en a d'autres? Loterie d'éveil, ouais. Même si je les ai les deux, hein. Mais bon. Bon, on va refaire un tirage des 80 millions. Hein. Ah. どれ一つだってかけちゃいけねえ。全部まとめて俺の力だ。Ichi. Eh oui, c'est le nouveau qui est sorti. Bon bah ça c'est cool. Ça c'est cool, j'ai le nouveau Ichigo. C'est comme quoi j'ai bien fait de faire ce tirage en plus. Eh bah écoutez, je vais le préparer maintenant. Personnage. Pareil, il y avait le Ginichimaru là. J'ai pas été récupérer le perso. On va jeter un œil si il était bleu, je crois. Non, 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 c'est celui-là. Donc on l'avait déjà, pas de soucis. Hop. Allez, il partira en entraînement prochainement. Tac. Hop. Ah oui, donc oui, cette interface-là, on l'avait vu, hein, je crois. Hein, ça a changé un petit peu, c'est plus rapide. C'est plutôt cool. T'as, par contre, ouais, les cheveux plus longs comme ça, ça fait une tête un peu bizarre. Dore, je t'ose te cacher, t'as qu'une. À l'occasion de l'année 2019, l'apparence d'Ichigo revêt quand, en plus de ses pouvoirs de Shinigami et de Holo, il éveille des pouvoirs de Kunchi qui dorment en lui, rassemblant tous ses pouvoirs et le combat pour protéger. Il est stylé. Voilà, allez, il partira dans l'équipe d'entraînement après Barragan et je sais plus qui j'ai dans l'équipe d'entraînement. Vous les avez vus hein, au cours de voilà Barragan et Uryu. Voilà. Et sur ce, c'est là-dessus que se termine ce dernier épisode de BBS. Enfin, le dernier en date. Hein. Et puis voilà, on verra si la semaine prochaine c'est encore du BBS ou si on entame une nouvelle série. Ou si on reprend du World of Warcraft, hein, peut-être que entre deux, ce sera sorti sur Firestorm et je pourrais tourner. En attendant, bah, c'est tout. Et sur ce, bah, je vous dis dans tous les cas à samedi prochain. N'oubliez pas, il y a un Tipeee si vous voulez me soutenir. J'ai ouvert un Tipeee. Il y a peu de temps, donc si vous avez un euro à perdre pour soutenir une chaîne qui n'est pas monétisée et qui se fait qui tend en plus à une série qui se fait striker à la chaîne, et ben enfin pas striker mais flaguer à la chaîne, ben voilà, je à votre bon cœur, messieurs dames. Sur ce, je vous dis à bientôt.